5 seconds to touchdown. We're at the AO. Yo les marsouins, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte d'un nouveau FPS tactique 1000 sims en monde ouvert, j'ai nommé Greyzone Warfare. Il est développé par Madfinger Games et il devrait être disponible en accès anticipé dans le courant de l'année 2024, mais nous n'avons pas encore de date précise. Et ce que vous allez voir est une version bêta du jeu à laquelle j'ai eu la chance de participer. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire une présentation complète du jeu, mais juste vous partager mes premières minutes de jeu en compagnie de Wolf. Une vraie vidéo découverte pour le coup. Alors pour commencer, on se retrouve dans notre camp de base qui fait office de lobby où tous les joueurs de la même faction se retrouvent avant de partir en opération. Il faut savoir qu'il y a 3 factions différentes incarnées par des joueurs, mais il y a aussi des IA ennemis, donc vous l'avez compris, il y a du PVP et du PVE. Dans ce camp de base, vous avez la possibilité de vous équiper, de rencontrer d'autres joueurs pour partir en escouade avec eux ou pas, de partager les différentes informations, mais surtout, vous avez la possibilité d'accepter les tâches et les missions des vendeurs. Le système de tâches, d'inventaire et de personnalisation des armes vous fera sûrement penser à Escape from Tarkov et je pense que les développeurs de Greyzone Warfare s'en sont fortement inspirés. Mais ils ne se sont pas inspirés que de Tarkov, ils se sont aussi inspirés d'autres jeux comme Arma, DayZ, Grand Branch et bien d'autres. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieux de savoir. Bref, les premières tâches acceptées auprès de nos 3 premiers vendeurs, nous prenons en compte les informations données dans le briefing, l'équipement nécessaire et nous étudions la map afin de savoir sur quelle LZ se poser. Chose faite, nous voici partis pour notre première opération dans la zone grise. Bon visionnage. Ah, tu sais qui il y a sur le serveur là, sur le même serveur que lui? Non. Link et Terracide. Ah ouais. Justement, ils sont en 141, en 165. Ah merde, ils vont dire qu'on... Vas-y, on y va, hein. On y va à pied ou tu veux prendre la LZ Charlie Bah on va prendre la LZ Charlie, on va pas se taper 800 mètres à pied. Allez, on appelle le transport. Ah, ça risque d'être long. Faut aller là-bas, non, du coup? Ouais, faut aller là-bas. Et qui l'appelle, toi? Je l'ai appelé, là, ouais. J'ai cliqué, tu sais, sur LZ Charlie 1, et il me dit qu'il arrive dans tant de minutes. T'as une radio, là, une communication radio, ou pas? Ouais. Ok. Est-ce que je vois le temps? Ah oui, on voit qu'il arrive, d'accord. Ok. En tout cas, c'est magnifique, hein. Allez, on va monter en Little Bird. Allez, go, go, go! Emmène-nous! Oh, il y a des freezes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, j'espère que ça va pas crash. Hein. Ça va pas aller l'hélico, le jeu. Ouais, le fait d'avoir énormément de végétation comme ça avec un déplacement rapide... Ouais. Mais n'empêche, Unreal Engine 5, c'est vraiment énorme parce que... Enfin, ça tourne quand même à 60 fps, même s'il y a des chutes. Eh vas-y, fous-nous dans la merde, quoi. Y a de l'eau. Ouais, je te dis pas merci, t'aurais pu trouver une autre LZ. Hein. Ah putain. Bon bah, c'est par là. Bah, ça va, on a 200 mètres à faire. Et du coup, faut qu'on fasse attention éventuellement s'il y a des ennemis ou pas là sur la première zone. Ouais, je pense. Ah! Je pense.
Oh là, j'ai eu un rollback. Ouais, pareil. J'ai rouvert la carte parce que c'est arrivé en même temps que l'ouverture de la carte, tu vois, je me suis dit qu'on peut pas marcher et ouvrir la carte en même temps. Si ça va, tu peux. Bon bah premier contact avec Grayson Warfare. Et comment on va reconnaître les ennemis des alliés là? Je sais pas, faut regarder la carte. Ouais, en dehors de regarder la carte, parce que j'ai pas passé mon temps à checker. La communication. Je sais pas s'ils nous entendent du coup si on communique in-game les ennemis. Je parle pas des, oui. Des ennemis PNJ, hein. Je parle des vrais ennemis quoi. Ah, tu peux pas laisser ton micro ouvert sans arrêt, t'as 15 secondes. Et 15 secondes entre quoi et quoi? Ok, ils sont buggés, ils sont morts, je sais pas. Ouais, lui il est buggé, on dirait. Ah bah, il y en a 3. Bonjour. Loot. C'est quoi, c'est un soldat ou c'est un rebelle lui? On dirait un soldat le loot. Mais je pense qu'ils ont déjà été fouillés. Ouais. Il y a des mecs là. C'est des gars à nous ou pas? Je pense que c'est à nous là dans la tente là. Friendly? Donc faut qu'on aille en 141, en 65, c'est sur notre droite. Il est énorme là. Est-ce qu'il y a S? Pourquoi il a un accord lui? Hello. Tu m'as entendu en jeu? Tout à l'heure quand t'as dit friendly, ouais je t'ai entendu. Ouais. Ah mais là quand j'ai dit hello. Non. Donc là ça y est, notre waypoint il a sauté. Y'a un truc à faire ou quoi? Oui. Tu m'as entendu une game? Ah merde, j'ai 15 secondes. Ah tu peux pas parler tout le temps. Vérifier le bâtiment détruit. Là tu m'entends une game? Ouais ouais. Ok. Attends, je vais. Du coup tu veux que je mute je mute Discord. Attends 2 secondes. Là tu m'entends? Coffee. Ok. Par contre ça fait une voix de. Ça fait une voix micro même si t'es à côté de moi quoi. Il faut qu'ils mettent deux radios, enfin deux communications comme dans squad, une locale et une radio quoi. Enfin une escouade et une locale. Ah c'est un bâtiment détruit avec les caches vues, les prises vues. Voilà, objectif complete. Ok. Donc là on a... Vas-y, recheck ta carte là parce que ça tire à côté. Je vais jeter un œil. Allez, c'est mon cousin dans le store. Je te suis. En fait, toutes les îles ont été traitées déjà. Hein. Ouais, on arrive après la guerre quoi. Bon, attention audio sur la gauche là. Tire sur moi. Ouais, ça tire sur nous.
Donc il y a un peu d'IA par là. Je vais à gauche, je vais voir ce qu'ils ont sur eux. Ok, vas-y, je t'appuie. J'arrive pas à voir si derrière le véhicule là c'est à nous ou pas, parce que en fonction des distances j'arrive pas à bien déterminer. Non, ils sont de l'autre côté de la route, donc c'est ennemi. Derrière le véhicule gris là il y a du monde. Ok, un traité, chargeur. Ok, je prends des tirs sur le côté gauche de la route. Chargeur, il y en a un à droite. Traverse. Toi aussi, le viseur time point, il est léger. Ah, il est pas très, très brillant. Ok, dans le prolongement de la route, là, je vois des mecs accroupis, mais je crois que c'est des alliés. Ouais, il y a toute une squad au bout de la route, là. Et est-ce qu'il y a l'escalade dans le jeu? Non. Ouais, ah si. Il y a l'escalade. Appuie deux fois, rapide. Il y avait une tâche là qui s'est activée ou quelque chose. J'ai vu un message en bas, c'était quoi, de l'XP? Je sais pas, j'ai pas vu. C'est faut qu'on aille au sud-ouest là. Il y a un mec normalement derrière la voiture là. Ouais, toi je vais récupérer son AK. Je recolle sur toi. Magasin seul avec un toit rouge. Marketplace. Ah, marketplace, ouais, 30 points d'XP. Bien joué. L'XP, elle sert à quoi? Attends, il y a du monde. Il y a du monde dans le marché. On va pas trouver le magasin, c'est juste une place qu'on a trouvé. Ouais, il y a du monde dans le marché. C'est très ouvert, je contourne. On peut rentrer par là je pense, sauf non. Ah ouais, c'est blindé de gars là. Waouh, c'est des éponges. Oh la vache, le nombre de bastos qui se prend quoi. Bon, ça sera corrigé tout ça, mais bon. Surtout qu'ils
ont rien sur eux, quoi. Ouais, ouais, il est en t-shirt débardeur, le mec, avec un petit gilet tactique, vite fait. Pense à boire, on est à la moitié. Oh putain. Il y a du monde dans le marché. Hein. Bien, on va faire le tour. Attends, c'est quoi le la touche pour ouvrir tout de suite l'inventaire ou J'en sais rien, il y a plein de touches. Ah, faut que je regarde. Ça cause partout, hein. À gauche, à droite. Dans le marché, il y a du monde. Sur la route. Traité. Soigne-toi. Toi sur le côté. Ça va? Tu testes le système de soins? Vas-y, soigne-toi là. Je sais qu'il y a des bandages et un tourniquet. Merde, ton bandage a disparu, c'est dommage. Là, je prends mon tofu pour reprendre des forces. Vas-y. Moi, je vois flou. Prends, t'as des médicaments normalement anti-douleur, je crois. Attends, j'ai l'impression que ça cause derrière. C'est bon? Je sais pas, mais bon, pour l'instant, je peux pas faire mieux. Oh là là! Chargeur vide, je recharge. Putain, on a pas beaucoup de chargeurs, j'ai pas fait attention en partant, mais on en a pas beaucoup. T'as besoin de soins? T'as besoin de quelque chose? Mets-toi à couvert. Je sais pas, c'est pas expliqué, je sais pas ce qu'il me faut. Derrière toi! Ils sont sérieux? C'est un joueur, ça. Hein. Les gauche-droite, là, à mon avis, c'était un joueur. Hein. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je suis pas sûr, il est censé, le joueur il est censé être derrière le mur, hein, pas devant. Attends, je vais aller voir. Attends, t'as besoin de soins ou pas, là? Il me faut un truc pour la tête, hein, je sais pas ce qu'il faut. Tombé.
Il avait rien, lui. C'était bizarre, hein, sa réaction. Attends, je peux t'examiner, non? Je vais voir. Viens, viens, à couvert. Ouais, mais tu t'as rien pour moi, là, j'ai... Non, mais... Et t'as tout pris comme médicament, là, pour... Enfin, comme médicament. Comme ça. Allez, viens, qu'on finisse au moins celle-là, quoi. Chargeur, chargeur, il y a du monde. Je sais même pas si il me reste des balles. Ouais, je sais, c'est ce que... Oh putain. J'ai plus de mun, ouais. Là, faut que je ramasse une... la K, là, faut que je ramasse des munitions. De quoi, t'as trouvé une clé? Affirme. T'es où? Dans le marché? Non, toujours dans la rue, là. Où t'as trouvé la clé? Non, mec. Putain, tu vas crever, mec. Bon, vas-y, viens, on cherche le magasin, là. Ah, vas-y, prends ce que t'as à prendre. Essaye de te faire une transfusion, là. Une poche de... Ah, c'est bon, je t'ai dit, tu m'écoutes pas, c'est bon, ça remonte. Ah, ok. Faut trouver le magasin, déjà, là. Ici à l'ouest, mais bon, la zone est pas non plus super grande. Hein. Derrière le muret, là, peut-être. Il y a du monde là-bas, c'est allié ou pas? Négatif. Il y a du monde à l'est. À l'ouest. Deux packs. À l'entrée, Il me reste 4 balles dans le chargeur. Ah, une heure, ouais. Ils sont tombés. Je peux pas recharger. Ah merde, faut que je les mette tous les chargeurs. Ah, là-haut. Ok. J'arrive. Château d'eau. Château d'eau. Chargeur. Le chargeur. Il y avait au moins 3 packs. Ouais, il y a encore du monde, château d'eau. Au niveau du drapeau, là, sous le drapeau. Bonjour. Ah merde, il faut que je mange, c'est ça?
T'es Wolf. Devant. Voilà. Là, il y avait le grand marché. Tiens, regarde. Ah non, c'est pas ça ce que. Sur notre gauche là. Bon, les. Là où il y a les gars qui se déplacent. Bon, il est blanc le toit, mais bon. Je sais pas. Allons-y. Peut-être c'est ici. Attention. Récupère un chargeur. On est toujours dans la zone là ? Non, on n'y était plus, on y retourne. Ok. C'est là-dedans. Et qu'est-ce qu'on avait à faire? Bah, le trouver. C'est tout. Moi, c'est au nord. UNLRA, on avait pas un truc à faire là-bas? Où ça? UNLRA, là. Non, la prochaine position, enfin, la prochaine tâche, c'est plein sud. Après, il y a sûrement du soin, enfin, je sais pas ce que c'est. C'est genre un truc la Croix-Rouge, ça, non? C'est quoi? Ouais, on dirait. Et il y a de la bouffe. Donc il y a peut-être du soin à looter, des choses comme ça ici. Ici, il y a un truc à faire. Ah, tu veux dire avec les autres tâches? Ah, exact, ouais. Enfin, j'ai pas lu. C'est l'autre qui veut qu'on ramène les supplies, enfin les médicaments en ville. Exact. Donc faut qu'on trouve du soin et qu'on le ramène. La clé que t'as récupérée, ça ouvre pas une porte? Un resto en ville. Ok. Après, ça a peut-être déjà été loot par les gars qui viennent d'arriver, hein, qu'on a croisé. Hein. Ouais, mais ça doit être juste un truc comme on a fait tout à l'heure, c'est que tu es dans la zone et puis... Moi, je pense qu'il y a des médocs à récupérer et à les déposer en ville. Hein. Ah ouais, c'est marqué qu'on a un truc à trouver. Hein. Ouais, c'est ce que vous voyez, une porte. Ouais. C'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure, c'était quoi ta clé? Il faut une clé, Wolf. Quand tu vas sur la porte, là, il y a marqué une lock qui avait une LLRA. Donc il y a peut-être une clé sur Adepax qui est au sol, je sais pas. Ouais, peut-être, mais j'ai pas cette clé là. Attends, on va regarder sur les mecs qu'on a traités. Là. Trouver une clé, Wolf. Merde.
J'ai trouvé une clé mais qui m'ouvre un truc pour le KV Doc. Tu m'entends ou pas? Voilà, c'est fait. Là, c'est ça que t'avais trouvé cette clé là qui t'ouvrait cette porte, c'est ça? Et non, j'ai pas ouvert, c'est déjà ouvert quand je suis arrivé. Parce que j'ai trouvé une clé, moi. Et c'est quoi que t'as fait? Parce que moi j'ai rien qui s'est validé. Hein. Il y avait une box, une boîte en carton ici, là sur l'étagère. Ah, je la vois, mais je peux pas la prendre. Parce que t'as pas la place, il faut que tu te fasses un carré de 4. Ah d'accord, ok. Réaménage tes munitions, ce que t'as sur toi pour avoir de la place, un petit carré de 4 cases. Bien vu, c'est bon, j'ai. Bon, faut qu'on trouve ce magasin maintenant. Wolf, je l'ai mis dans ma safe lock, si jamais je meurs ou un truc comme ça, je l'aurai déjà. Tu sais, on a un truc, c'est safe lock, c'est un peu le... Comment ça s'appelait sur Tarkov? Excusez-moi. Oui. Vous auriez pas de l'aspirine ou quelque chose comme ça? On va regarder ça, comment ça s'appelle dans le jeu? Tiens, prends par terre les pilules. Ah là, des pilules, j'en ai pris plein déjà. Je crois que j'en ai même pris trop. Ah, parce que moi j'ai que ça. Putain, vous avez pas un truc que ça. Ah, c'est notre toute première game là. Donc on est équipé. Ah, attends. De même. Vous êtes pas de la Croix-Rouge en fait. Non, on est venu dévaliser le une NLRA. Pour... Ah bah pareil. Ah bah nous aussi, ouais. Bon bah je me sens pas très bien. Merci les gars. On a du Ibalin. On a des poches de soins. J'ai du mal avec leur système de communication qui bloque là quand tous les. Poche de soins, Ibalin, ça j'ai déjà. Oh, j'ai retiré mon casque, je vous entendais pas en fait. T'es pas ouvert parce qu'on a un truc pour recoudre. Non. Non, pas besoin d'être. Non, je pense qu'il me faut juste des médicaments, mais écoutez, je vais aller dévaliser ce qu'il y a ici, puis je vais retourner à la base pour prendre des médocs. Bon, bon courage. Merci, vous aussi. Merci. Si. Bon, faut qu'on se trouve ce magasin. Et on doit déposer où? Déposer où, là les... À la base, mais l'île Buffing. Hey. Tu connais mon niveau d'anglais, quand même. Non, je rigole. J'ai pas tout lu. Vous les avez trouvés, les gars? Les médocs? Non, non, les médocs, les supplies là pour la mission. Ouais. Ouais. Oui. C'est la caisse qui est sur l'étagère. Ouais, c'était ça. Ouais, ok, ouais, c'était ouais, ici. Okay. On allait vous dire où la trouver. Ah, merci, c'est gentil. Ouais, ça fait, merci. Par contre, non, on a récupéré une clé là sur un cadavre. Une clé qui ouvre le bureau d'un médecin. Alors, c'est pas celle-ci, il y a une porte qui est fermée ici là. Ok. Mais okay, on. Donc, j'aurais un autre bureau fermé. Ouais. Enfin, je vais réessayer, mais. Ok, bien. Non, c'est pas ça. Après, c'est votre clé, on va pas en profiter. Bah non. Salut les gars. Salut. Juste une question. Oui. Vous avez trouvé le magasin? Ah non, mais nous on n'a pas besoin de le chercher pour l'instant, on a juste chercher le paquet. Ok, d'accord, merci. C'est marrant ces petites rencontres là que tu fais in-game. Ouais.
En fait, le fait que ce soit monde ouvert et tu sais, avec, avec d'autres joueurs et tout ça, bah t'as l'impression d'être moins seul. Tu vois, d'habitude on est que deux. Bah là tu croises d'autres. D'autres binômes. Par contre, ouais, on a toujours pas trouvé ce magasin. Ça y ressemble celui-là un petit peu, mais c'est pas le même toit. Il est pas rouge. On l'a fait celui-là. Ouais, on l'a fait. Vas-y, viens, on y retourne. Ah non, on est pas rentré. Attends. On n'est pas rentré dedans parce qu'il y a des mecs. Tiens, regarde. Tu te rappelles, il y avait des mecs tout à l'heure. C'est ici. Ah, sérieux. Et en fait, comme ça a tiré et tout, on n'est pas rentré parce qu'on s'est dit. Enfin, je pense que tu t'es dit la même chose que moi. Que si on rentrait, on pouvait les. Eh, c'est complètement con leur système de discussion là. Je veux bien que je bavarde, mais je peux pas parler plus de 15 secondes. Waouh! Ok, j'en ai plus une, Wolf. On a du monde nord-ouest, nord-ouest. Back, back, back. Ah merde. Mets-toi dans le bureau, swing-toi. Mais c'est moi ou c'est dans le jeu ou ta radio elle coupe? En fait. Quand je parle, par exemple, s'il me reste 3 secondes et que je rappuie, bah il me restera que 3 secondes. Je vais pas récupérer mes 15 secondes. En fait, les 15 secondes, elles se rechargent. Bah, reste bien appuyé alors. Non, mais c'est ce que je fais. Regarde, parle 15 secondes. Ou 10 secondes. Bon, oui. Bah, voilà. S'il en reste encore 5. 5. 3. 2. 1. Voilà, maintenant essaie de reparler. Ouais, tu peux pas dans la foulée, ouais. Voilà, c'est complètement con. Dans le magasin, c'est rentré, c'est rentré. Tiens, cette porte, Wolf. Je prends l'autre. À l'extérieur, à l'extérieur. Nord-ouest, 330. Les vitres sont blindées. Elles sont pare-balles. Ouais, c'est pare-balles, c'est pare-balles. Elle est où la porte là? Ouais, par contre, les mecs en quel but qui sont pare-balles. Ouais, ça devrait être corrigé tout ça, mais c'est vrai que bon. Fais gaffe, il y en a. À droite, à une heure! Derrière le boui-boui là! Il est traité ou pas? Wow, wow, wow! Il est tombé, le mec est tombé! Il y en a un autre Wolf à. T'es. À 2h, à 2h! Faut que je me soigne! Mets un cap parce que les 2h là. Exact! Ah, ce truc là il est trop important en fait. Ouais, oh, c'est bon, je me suis soigné. Tu l'as traité le gars qui était Non, non. Ok. Ça te dit on passe par une autre sortie? J'aimerais bien les fouiller les mecs. En plus il me faut à bouffer là. Ouais, ok. Y'a pas à manger dans le magasin là? Wolf, il y a un bandage là. Attends, je prends. Prends-le. Oh, il est loin. Mais il me reste que 3 bastos, hein. C'est pour ça qu'il faut que je fouille les mecs. Bah, c'est pour ça que moi j'ai pris l'AK là. Hein. Leur vitre blindée là, abusé quand même. Là, en 345, là, le bâtiment au fond là, non, avec la porte de garage et un mec à l'intérieur, côté droit. Vas-y.
Wolf, plein nord. C'est en train de contourner là, il y a derrière le la palissade. Ouais, mais j'ai pas de bastos. Oh. Bon voilà les amis, malheureusement cette vidéo s'arrête ici, comme ça. Vous avez eu la même réaction que moi je pense. En fait les serveurs n'étaient pas stables lors de cette soirée, donc on a eu plusieurs crashs. J'y ai rejoué depuis, il y a eu des patchs et les serveurs sont un peu plus stables. En tout cas j'espère que ce premier contact avec Grayzone Warfare vous a plu. Moi de mon côté j'ai plutôt apprécié cette expérience. Le fait d'avoir l'impression de jouer à un Grand Branch en monde ouvert où l'on peut rencontrer d'autres joueurs comme par exemple la rencontre avec Link et Terracy, tu vois c'était vraiment au hasard sur le terrain. Je trouve que tout ça ajoute un gros plus. Il y a aussi l'immersion qui est excellente. Les sons de tir et tout ça sont pas encore au top mais bon ça va sûrement être amélioré par la suite. Je vous rappelle que le jeu est en phase de bêta. On verra ce que ça donnera lors de la sortie en accès anticipé. En tout cas, moi j'ai hâte d'y retourner, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos assez rapidement sur la chaîne pour que vous puissiez et que moi aussi de mon côté on puisse se faire une vraie idée du potentiel du jeu. Là on en est au tout début, on n'a même pas fini les premières quêtes. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, moi j'ai hâte d'y retourner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du jeu, ce que vous pensez du potentiel du jeu. On verra par la suite ce que ça donnera, en tout cas moi je trouve que c'est plutôt prometteur. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, si elle est jeune.